Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Bienvenue dans l'épisode 23 de notre SP sur Super Mario Odyssey. Aujourd'hui, épisode 23 les amis, où nous allons continuer à découvrir le magnifique royaume champignon et un peu voir où Peach est allé quand même, parce que la petite s'est fait la malle après qu'on l'ait sauvée d'un mariage incertain avec Bowser, donc bon. Et oh! Bah écoutez, ça commence bien, ça commence sur les chapeaux de roue, hop, une étoile, une lune, tout ce que vous voulez. On la récupère, floraison derrière le château. Ouh, attendez, il y a un petit scooter là. C'est trop cool le scooter, j'aimerais bien pouvoir en faire moi aussi. Oh nice. Allez, salut. Je te pique ton truc. Ok, parfait, donc on peut conduire un scooter dans le royaume champignon. Les gars, grosse nouveauté. Le capitaine est parti à la boutique. Très bien. Et pareil, des trésors dérobés par Bowser ont été rendus à leur pays respectif. Ah, ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Donc toi, t'as quoi à me dire? Il paraît qu'on peut jouer à Portrait Craché au pays des nuages. Oh. Bah écoutez, on va aller jouer à Portrait Craché dans ces cas-là, parce qu'il faut absolument aller dans le pays des nuages. Pour avoir une petite lune supplémentaire. Ok, donc là les pièces, ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Alors là, je pense que c'est ici qu'on peut avoir Yoshi. Donc bon, mais est-ce qu'on a déjà eu Yoshi dans l'aventure? Non, il me semble pas qu'on ait eu Yoshi hein, pour l'instant. Il me semble pas du tout en fait. Parce que sinon je m'en serais souvenu. Donc bon, oh, il y a un petit labyrinthe sympa là-bas. Il y a trop de trucs, les amis, il y a beaucoup trop de trucs. Et donc aujourd'hui, vraiment, avant-dernier épisode où l'on fait en vidéo du Mario Odyssey. Pour le coup, alors, s'il faudra qu'on passe à la boutique pour la tenue de la zone. Donc, attendez, hop, déjà, on va aller au pays des nuages. Hop, après, on ramènera ce moutmout chez lui. Parce qu'il nous en reste 3 à ramener, il me semble, depuis l'épisode précédent. Et oh, oh, joli. Oh, j'aime beaucoup. Il n'y a pas des trucs autour. Parce que tu sais, ça, c'est le truc à... C'est le truc où tu vois, tu peux bien cacher des lunes et tout, tout. Ah, mais il semblerait pas, eh. Oh, con. Ok, très bien. Bon, bah, y'a rien. Parfait. Hop, bonjour, mon petit pote. Putain, mais vous avez tous des bérets ou quoi? Wesh, vous prenez pour des Français là? Portrait craché, portrait craché. Qui veut tirer un beau portrait? Si tu parviens à remettre des différents éléments à la place, je te donnerai une lune. Tu veux essayer? Moi, j'ai entendu lune. Je go. Fantastique, je t'en prie, monte sur la scène. Laisse-moi t'expliquer comment se déroule une partie de Portrait Craché. C'est simple, l'objectif est de remettre en ordre les morceaux en bouille. Les morceaux de bouille, pardon, qui ont été éparpillés. Pour ce faire, utilise le chapi morphose afin de déplacer et de faire pivoter les différents éléments. A chaque fois que tu places un élément, il disparaît. Mieux que les éléments sont placés, plus tu gagnes de points. Pour l'emporter, tu dois obtenir au moins 60 points, mais ça ne coûte rien de faire mieux. C'est parti, casse-toi la tête pour recréer la bouille la plus fidèle possible. What? What the fuck? Oh, je suis pas du tout bon à ça. Ouais. Waouh, en plus ça disparaît. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Il a un pif comme ça, Mario, normalement. Si je me rappelle bien. Oh là là, les amis, mais... Quelle ignominie je vais nous faire. Attendez. C'est ça, comme ça. La stache mou, elle est là. Ultra galère à déplacer ce truc. On va dire que c'est comme ça. Et la bouche. Et la bouche, et la bouche, et la bouche. Hop. Ah oui, non, ça va, il faut les sourcils aussi. Oh, quel sourcil est là, Mario? Non! Non! Zut de flûte! Oh non, j'ai chié là. Oh, j'ai tellement chié dans le pâté. Voilà, bon, il aura une bouche sur la casquette. Écoutez, c'est le nouveau chara-design de Mario en fait. Je vous avoue que Nintendo m'a appelé pour que j'en fasse ce nouveau chara-design. Alors je pense que là ça devrait être bon. Je pense que ça devrait être ma foi assez bon quand même hein. Mis à part la bouche qui est partie sur le côté. Et en vrai, il ressemble de ouf. Sauf la bouche qui est partie. 44. Oh, je suis sûr si j'avais mis la bouche au bon endroit, ça serait passé de ouf. Malheureusement je ne peux pas te donner de prix. Cela dit, tu as l'air de t'être bien amusé. Reviens tirer ton portrait quand tu veux. Il est un méchant comme ça, Mario. C'est ouf. Bon, écoutez, les amis, je pense le refaire. Ça, je vais vous faire une petite ellipse le temps que je le fasse. Jusqu'à avoir la lune, donc bon. Fantastique, je t'en prie, monte sur scène. Merci bien. Allez, à tout à l'heure, les amis. Ok, les amis, donc voyons voir le résultat final. Si je pose ce sourcil pile. Oh, comme toi. Merci. Comme ça, hop là. Alors, normalement, ça devrait être ultra fidèle à la représentation du début. Attention, roulement de tambour, les petits potes. Eh, franchement, est-ce que c'est pas stylé? 93, je sais pas, moi je dabe dessus, voilà, c'est fini. On a défoncé le truc, tu as réussi ton coup, comme promis, tu repars avec la lune.
Ah, nickel. Alors, je pense qu'il en a quand même une deuxième à nous offrir, du coup, on va y voir. Pensez à cacher, fais-moi un Mario. Alors, fais voir. Envie de remettre encore une fois cette bonne vieille bouille en or? J'ai augmenté un peu la difficulté. Si tu parviens à obtenir suffisamment de points, je te donnerai une lune. Alors, pardon, je me lance. Go, je suis chaud peut-être. Fantastique, je t'en prie, monte sur la scène. Ok, donc c'est la même chose. Très très bien. Toi, tu dois obtenir au moins 80 points. Putain, allez, les gars, on a fait 93. 93, donc là, on a facilement le truc. Alors, une petite technique. Ah, oh mais c'est de la triche. C'est de la triche les amis, attendez. What the fuck? Comment tu veux faire ça? Les gars, what the fuck? C'est en plus là son nez qui ressemble à une patate comme jamais. Attendez. On va faire ça comme ça. On va prendre ça, on va le foutre là. Attends mais c'est toi il va là. Alors là, faut vraiment faire travailler la mémoire. Hein. Pour le coup, très clairement, mon petit pote. J'imagine que cet œil va aller se placer juste ici. Putain, mon Mario aura une de ses gueules, les gars. Mais vous imaginez même pas. Et là, le sourcil qui dépasse un peu. Hop, ici. Parfait. Faudrait mettre du papier calque. Tu prends en photo, tu t'imprimes ça sur du calque. Et ensuite, tu fous ça et ce serait tellement plus simple. Ah, j'imagine même pas la tête du Mario là. Très clairement, j'imagine même pas la tête de notre Mario. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Hein. En vrai? Oh, oh, trop bien! Oh putain, on a géré, tu as réussi ton coup comme premier. Les gars, le pouvoir de la mémoire, c'est dingue. Allez, portrait craché, un Mario épatant. Parfait. Est-ce que tu redonnes des trucs toi ou pas? Je n'ai plus de lune. Ok, bah, laisse tomber, c'est bon, on a séché ce truc là. Bordel, qu'est-ce que c'était dur. Putain, mais moi, je pensais que le dernier, tu vois, ça allait être le même truc, sauf qu'il faudra faire plus de points, tu vois. Et normal, enfin, c'est un truc logique. Non, non, le truc s'effaçait. Enfin, le visage, le contour du visage s'effaçait carrément. Du coup, insupportable. C'est une blague. C'est une blague. C'est une grosse blague. Ah, le scooter, le scooter, le scooter, le scooter. Quel con. Quel con fais-je. Il nous faut le scooter. Ok, donc là, il y a les Goombas pour la Goombette qui se trouve en bas du château. Attendez, on va prendre le scooter. Ah bah là, parce que je me suis dit, what the fuck, comment tu veux y arriver, là? Hop. Ah, calme-toi, par contre. Hop. Ah, calme-toi, par contre, deux fois. Hop. Hop, merci bien. Et là, maintenant, on va tracer comme jamais avec le scoot. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oh, merde. Mauvaise touche. Eh, je suis un biker, les gars. Moi et mon bolide, là. Oh, yes. Oh là 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 là. Pile poil à la sonnette. Yes. Yes. Ok, parfait. Alors, il y a encore un mouton, là. On va récupérer quand même le scooter, hein, je pense. Ça pourrait être une bonne idée. Hop. Et boum, mes champis, moi, je respecte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc. Alors, on avait deux moutons, là. On avait un troisième qui était là-haut. Moi, je suis curieux du labyrinthe pour le coup. Parce que le labyrinthe. Ah, c'est là où il y a les Granny Piot. Putain, 4 Granny Piot. Ça va être chaud. Alors, je me rappelle que. Oh putain, date référence. Dans Mario 64 sur DS. Comment ça s'appelle? Il y avait ce qu'on appelle un labyrinthe avec des lapins. En fait, il y avait un peu la reproduction des Lumas, mais sur Nintendo DS. Et. Enfin, des Lumas forment lapin, évidemment, toujours. Et ce qui était marrant. Ah, pour le coup, ce qui était très drôle, c'est qu'il fallait, avec Yoshi, attraper le lapin pour pouvoir entrer dans le château de Peach. Et là, ce labyrinthe avec le lapin à l'intérieur, c'est date référence, quoi. Et surtout, ça démontre bien que les Lumas sont des lapins maintenant, mais à part entière. Tu vois, qu'ils se sont bien habitués à leur écosystème et tout, tout. Donc bon. Alors, mis à part ça, on va aller voir cette petite tour et on va se faire un petit boss, les gars. Parce que je vous rappelle quand même que les boss, ça nous connaît. Attends, mais je l'ai pas déjà fait, ce boss. Est-ce que j'aurais-t-il pas déjà fait ce boss? Ah, il y a le troisième mouton qui est là. Ouais, ce boss, j'ai déjà fait, il me semble. Fais voir. Il me semble que c'est même le Scolopendre. Ouais, je l'ai déjà fait.
Ouais, c'est ça, c'était bien. C'était bien. Eh, marrant, that's cool open, les gars. Franchement, qu'on avait défoncé, un petit rappel, franchement. Alors, vous. Y'a pas un truc à faire là? Non, y'en a à faire, très bien. Bon, mon petit pote, on va aller tout droit. Allez, c'est parti. Hop, on va ramener le moutmout en attendant. Non, je me demande où est la boutique, hein. Très clairement, ça, ça me rend assez curieux. Allez, hop. J'adore faire voler les moutons comme ça. C'est beaucoup trop drôle. Hop. Ok, donc. Là, l'enclos, il est là-bas, donc on va le ramener tranquille. Calme-toi, mon petit. Ok, non. Juste à gauche. Après, je vous rappelle, il y a la zone à voir derrière. Avec, il me semblerait, le Yoshi, hein. Enfin, ce qui serait le plus logique, ce serait que, ça, que Yoshi serait là-bas. Attendez qu'il y a, comment ça s'appelle, au moins 1000 fruits. Donc là-bas, on y est allé avec... un portrait. Ah, mais la boutique est juste là, en fait. Je suis full tobé. C'est... Ok. Très bien. Tout va dans le meilleur des mondes. Je suis absolument pas stupide, les gars. Cette boutique est gérée par la brigade de Todd. Ouais, génial. Ok, donc il nous indique bien de... Les pièces. Les pièces. Les pièces. Les pièces. Ouais, super. Oh, ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. Hop, donc on va rentrer et on va obtenir donc la tenue de la zone. J'espère qu'elle sera stylée, quand même. Alors... On a reçu de nouveaux articles, on va prendre ça. Ouais, j'en achète 10. Da fuck. On peut acheter des lunes. Affaire en or au château de Peach. What the fuck. Waouh. On peut en acheter beaucoup. Attendez, what the fuck. What the hell, bro? Attends, parce que ça me rappelle la forme de Mario sur Nintendo 64. Attendez. Bon, le château est beaucoup trop stylé. Franchement, avec les petits coussins. Voilà, là, on se met bien, là. Franchement. Et un petit cube mystère. Parfait. Mushroom Kingdom. Ok, nickel. Bon, on est bien. On s'est mis bien et... Putain, c'est exactement le même modèle design que celui de Nintendo 64, donc le tout premier, hein, très clairement. Oh, c'est beaucoup trop beau, c'est trop stylé. C'est incroyable, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est juste incroyable. Ah putain, c'est trop bien, c'est du génie. Pour moi, c'est juste du génie, ça. Oh, quand même, on peut grimper là-haut. On peut faire la grimpette, donc bon. On va aller voir derrière ce qui se passe. Hop. Hop là. Alors déjà, oh bonjour toi. Ah ok, il a ma casquette et tout et tout. Oh très bien, c'est la porte avec tenue. Nostalgie, ouais mais c'est exactement ça. C'est une grosse nostalgie les gars. C'est en mode vintage d'il y a... Attends, ça fait combien de temps que le jeu est sorti? Ça fait 20 ans. What the fuck. Arrêtez. C'est pas de me... Oh, oh là là, c'était le passage pour aller dans le monde fantôme, dans le monde des bouts. Mais c'est trop bien, mais les références qu'il y a, les gars. C'est pas possible. Mais ce genre de référence, mais je vous jure que ça me refait tout un jeu. C'est... Ah, je suis content qu'ils aient pas arrêté ce Mario-là sur le boss final. Et j'ai oublié ETL 2. Là-bas. Hop. 3... Hop, super. Parfois, je suis un peu Google, quand même. Et là, à la place du coffre 8, en fait, il y avait normalement un gros bout, tu vois, qui a... Ils ont remis la même référence, putain. Il y avait un gros bout qui te permettait, en fait, d'aller dans le manoir hanté. Pour aller sur les traces de Luigi, donc dans Nintendo 64 sur DS, enfin sur Mario 64 sur DS. Mais sinon ça te permettait juste de faire le niveau Comas dans N64. Mais surtout je me rappelle, il y avait un piano les gars. Un piano qui, quand tu t'approchais de lui, il te bouffait. Le truc te bouffait sans aucune forme de respect apparente. Et ça me faisait beaucoup trop flipper ça à l'époque. Ok super. Là avant il y avait une cavité, je me rappelle, où il y avait un lapin. Ouh, la faux chapeautée. La faux chapeautée, super. Évidemment, une étoile à l'emplacement de l'étoile, c'est logique. C'est carrément logique même.
Ok, souvenir, souvenir. Ah putain, alors là, mon gars. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Ah, c'est quoi ça? Hop. Truc de voyage, plongeon spécial. Nanana, merci bien. Ok, donc on t'apprend à faire les sauts comme ça. Parce que, regardez, hop, non, tu pouvais faire ça. Comme ça. Et après, sauter là, et ici, il y a une cavité. Ouais, mais ça, c'était avant. Ça, c'était bien avant. Putain, mais, hé. Hey. C'est... Ça rappelle des trucs, hein. Franchement, moi, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que c'est là où j'ai passé... C'est clairement mon plus grand temps de jeu quand j'étais gosse, donc bon. Alors, sinon... De là... On a des Goombas ici. On a des Goombas là. Les Goombas là. Ouh, Goomba là 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 là. Hop là. Bon, fail. Échec. Hop. Ah, merci bien. Avec le rebond, toujours. Là, y'a rien. Ah, là, y'a le moutmout. Faites voir. Alors, par contre, on n'a pas de Yoshi. Avec tous les fruits qu'il y a, tu vas me faire croire qu'on a zéro Yoshi, là. J'ai du mal à... J'ai du mal à gober, ça, mais bon. Ok, donc après ça, on a tout fait, ici. Ok, bon. Bah, écoutez, les amis, on va monter. Attends, là, y'a moyen d'avoir un cœur. Sois prudent dans la forêt, c'est dangereux. Oui, enfin, oui. Oui, c'est... Y'a des Goombas, quoi. Merci. C'est bon. On a vu plus dangereux, quand même. Allez, hop, on a un peu détruit Bowser. Ah, ah, l'oreille, ah, l'oreille me gratouille. Ouh, tout va bien. Hop. Super. Nickel chrome. 85, plus que 15 pièces, les amis, on aura vraiment tout séché, là. Très clairement, le... ce monde, on l'aura fait chatata. Oh oui, c'est vrai qu'il y avait lui comme boss aussi. Bon, allez, c'est parti, on va se le faire facile. Tu sais, avec l'oignon qui fait... Au calme. Donc. Hello. Ah, ok, très bien. Salut. Voilà, bien. Allez hop, on passe ça parce qu'on connaît déjà la cinématique, hein. Hop là. On connaît le boss par cœur. Oh, oh, oh. L'onde qui s'est arrêtée à mon épine. Vraiment, là c'est même pas l'orteil, c'est l'épine. Ok, donc là ça va tout activer, génial, MTI. Hop, on esquive tout. Hop. Génial, je suis emboulé, voilà. Et surtout, il n'y a pas trop de régène, hein, dans ce boss. Ok. Parfait. Attention, l'onde de choc. Et là, boum, bitch. Continue comme ça, ouais, t'inquiète pas. Je suis pas prêt de m'arrêter, mon petit pote. Ok, parfait. Donc là, on l'a déjà eu deux fois. Plus qu'une troisième et ça sera fini. Ouais, j'étais obligé de me le prendre sur le ventre. Ouh, c'est chaud. Ça devient absolument très chaud, là. Qu'on se dise concrètement. Tac, ok, et d'un. Cours. Ok, c'est bon. Et là maintenant, on te défonce, mon petit pote. On l'a séché. On l'a vraiment. Le mec, on lui a fait ta. C'est terminé. On lui a chanté Chiquita. Le mec, il était pas bien. Donc, une fois que ça c'est fait. Pourquoi? Parce que là, il nous reste combien de boss à faire? Il nous reste le dragon. Il nous reste quoi d'autre? Il reste dragon, Bowser. Et c'est tout. Enfin, après les Brudeuses et Madame Brody. Mais je pense pas qu'on les revoit comme ça dans les. En tant que boss, quoique, je sais pas, je vous avoue que je sais pas du tout, mais bon, en tout cas, ça nous fait une multilune supplémentaire, Rift de Verdure sur Vapeur, Rebellette. Ah, franchement, on a géré, on a très clairement géré, par contre, ce Mario est génial, ce Mario est fou, est dingue, il est très clairement très dingue. Ah, ça fait plaisir, ces petites piqûres de rappel de comment était Mario à l'époque. C'est quand même, le jeu a bien évolué, hein, depuis, hein. On va pas se cacher. Hop, alors les Goombas, on va vous récupérer. Allez, viens. Hop. Oh putain. Casse bonbon. Voilà, c'est bon. Yep. Hop. Hop. Là, je pense qu'il nous faut tous les Goombas pour. Et merde. Très bien, je ne peux pas sauter dessus. Allez, venez. Allez, hop. On suit.
On suit, s'il vous plaît. Ils sont trop droits à cligner des yeux en même temps. Mais ça a pas demeuré, je suis là. Putain, tu t'arrives pas à avoir plus long que tes orteils ou comment ça se passe? Alors, hop, on va se mettre sur ça. Et hop là, super. Bon, maintenant on y va. Je sais pas où on va, mais on y va. Alors, faut remonter. Oh, attendez. Il y a un truc caché là-bas. Oh, ah ouais, il y a une belle étoile. Ok. Go, Power Rangers. Go, Power Rangers. Goomba mode action, les gars. Vous pouvez pas tester. Et salut! Comment ça va? Oh, bah, l'air de bien aller. Et parfait, une lune supplémentaire. Par contre, ce qui est dommage, c'est que dans ce monde, ils ont pas mis la musique de Mario. L'amour au château de Peach. Super, putain, on a. Les gars, on a 70 lunes sur nous actuellement. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas mis plus de musique parce que du coup, ça fait très calme. Vous n'entendez que ma voix. Et c'est pas triste, hein, mais j'aimerais bien que vous entendiez autre chose que ma voix, du type des musiques, ça serait cool. Donc, on a fait les Goombas, il nous reste concrètement plus que les moutons à faire. Ouais, c'est parce que je pensais que j'avais oublié un truc, là. Hop, plus que 3 petits tas de pièces et on aura terminé, sachant qu'il y en a un en haut, enfin, sur le château. Donc bon, alors, par contre, toi, qu'est-ce que tu me fais? Yo, tu veux que je te tatane, c'est ça? Cette lune est sous ma protection, les Goombas peuvent bien venir, ils ne me font pas peur. Oh non! Putain, tu charries! Ah, tu charries, t'aurais pu le dire plutôt qu'il te fallait des Goombas. Hop. Allez, viens par là, toi. Allez, mais comment tu veux les dissocier maintenant? Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est horrible, mais il faut le faire. What? Allez. Balèze. Tu vois, j'ai détruit très clairement tous les Goombas devant les yeux de la Goombette. C'est. Elle doit être trop dans le mal, là. Très clairement. Alors, vas-y, let's go, c'est parti, les amis. Par contre, où est Yoshi? On se le demande parce que il peut pas y avoir autant de fruits que ça sans Yoshi. C'est absolument impensable. Hein. Je fonce. Je vais lui mettre un coup de boule, tu vas voir. Merci bien. Un Toad très courageux, bah oui, toujours. Hop là, ça nous fait encore une petite lune supplémentaire. C'est ça, on peut pas les prendre. Ouais, non, c'est ça. Il faut bel et bien Yoshi. Alors, par contre, là, j'ai une question de l'ordre primordial. Du type, comment que tu fais pour monter tout là-haut? Ah, mon Dieu, la musique qui s'active quand t'es à côté. Moi, j'aimerais bien... Oh, putain, regardez là-bas, les toiles qui brillent. Là, on a des fruits. Comment on fait pour monter là-haut, les amis, à votre avis? J'ai pas trop de... Oh, bonjour. Oh, Rainbow! cassez-vous. Bon, attendez. En attendant, on va ramener les moutons. Parce qu'il nous aurait juste deux à ramener. Bon, autant en profiter. Hop là. Je pensais vraiment que c'est là qu'on allait voir Yoshi, mais non. Non, à skip, non, on s'est fait eu. Allez, Zou, va là-dedans. Parfait, merci. Hop, ça nous en fait un. Cinquième. Bon, non, il nous en faut plus qu'un. Oh, il y avait un athlétic-tac là. Juste là. Hop là, bonjour. Oh bah voilà. Super. Que... C'est nickel, que demande le peuple, franchement. Oh là, c'est beaucoup trop beau. Ah les amis, enfin, on est débloqué, parfait. Parfait. Je vous avais dit qu'il y aurait Yoshi. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ok, parfait. Wow, regardez-moi la vue qu'on a perché sur le toit du château. Eh bien, super. Attendez, là où on peut y aller? Là où je pense concrètement qu'on peut y aller. Bon, est-ce qu'on va posséder Yoshi? Ou est-ce qu'on va... Ok, ouais, cool. Ok, donc vraiment, le jeu est très bien fait, pour le coup, parce que ça te guide bien. Allez! Et hop là! Ah non, j'aurais cru qu'on pouvait rentrer là. J'aurais clairement cru qu'on pourrait rentrer. Mais c'est pas grave les amis, parce que... Très bien, je suis demeuré, bonjour, tout va bien. On m'appelle Mario dans le milieu. Mais tu m'enquiquines. Attends, mais j'avais reçu mon saut en plus, voilà, merci bien. Voilà, super.
Et donc maintenant, qu'est-ce que ça fait de faire ça? Parce qu'on a une magnifique vue, hein, ça n'empêche pas cela, mais... On peut voir tout le royaume, voilà. Je veux juste ces pièces. Ah, on peut vraiment voir bien tout le royaume, c'est clair et net ça. Donc là-bas on l'a fait, là on l'a fait, là on l'a fait, là on l'a fait, là on l'a fait. Voilà. Tout ça on l'a fait. Ok, bah super. Ok, est-ce que j'ai pris les pièces ou pas? Attendez. Est-ce que... Non, ok, très bien. Dommage, dommage, ils ont pas fait ça, mais... Non, tu pouvais rentrer dans un tableau de Peach comme ça dans Mario 64. Donc bon, alors hop. Et donc on le possède. Oui, très bien, ok. C'était prévisible, c'était très prévisible. Attends, je peux faire un saut plané? Oh ouais. Oh, trop bien. Alors prendre... J'avais vu des fruits, non? Ouais, c'est ça. J'avais bien... Oh. Oh, 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 oh. Ok, donc ça nous fait une jauge. Il y a une petite jauge qui s'est créée là. Mais c'est parti pour aller chercher tous les fruits. Écoutez les amis. Et je pense que ça va nous donner des lunes. Oh, putain, mais on saute trop. On saute beaucoup trop. C'est trop bien. Enfin, si toi je te mange, ça fait quoi? Ok, d'accord, très bien. Ça le tue. On part sur du tuage. Ok, donc ils ont voulu faire ça RP. Bon, vous remarquez pas que les fruits de Yoshi ressemblent étrangement à Animal Crossing. On fait d'Animal Crossing et... Oh, ok, très bien, donc on peut avoir masse étoile en fait. Bafrade de fruits... Bafrade de fruits pour Yoshi. Je les ai bu barrer, tout va bien. Alors, hop. Très bien, donc évidemment, Yoshi n'a pas les mêmes pouvoirs que Mario. Donc, attendez. Ah oui, mais oui, mais... Alors, mon petit pote, comment veux-tu que j'y accède? Ah oui, c'est bon, je sais. On va monter depuis là. Regarde, hop. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, on peut aller sur l'arbre. Pas du tout, non plus. Alors, bon, ça va être marrant. Pardon. Je suis désolé, Yoshi. Je t'ai lâché, comme jamais. Attendez, comment tu peux avoir ce genre de fruits là-haut? C'est pas possible de les avoir. Ok, donc très bien. Donc ça tire la langue. Là, il y a un moutmout. Ah, mais il y a notre dernier mouton, d'ailleurs. Alors là-bas, il y a des fruits. On va faire un peu ce qu'on voit comme fruits hein, de base. Après, on va se balader. Ah oui. Super. Alors là, bon, c'était peut-être pas très intelligent de ma part de vider l'eau avant d'avoir Yoshi. C'est Camille qui sait très bien faire Yoshi. Parfait. Ah mais attends, mais en vrai, on peut tellement avoir des lunes avec ce truc-là. Vous imaginez le nombre de lunes qu'on peut avoir? Putain, c'est fou. Hop. Alors, calme-toi, rentre. Merci. Voilà. Là-bas, il y a encore des fruits. Même au début, il y en avait des fruits, il me semble. Ouais. Il y en a là. Pourquoi il y a une ombre? Ah non, c'est pas une ombre. Ok, très bien. Je suis complètement demeuré. Attendez. Est-ce que là-bas, il y avait des fruits ou pas? Ou non? Non. Là, il n'y a rien. Très bien. Par contre, ici, dans cette petite cavité, il y avait quelque chose. Ouais, il y avait un fruit. C'est bien ça. Oh, et un tuyau. Et un tuyau. Ok, d'accord, très bien. Je croyais que c'était en fait enfermé dans une sorte de boot spéciale. Deuxième service pour Yoshi. Ok, donc. Et normalement, il y en aura un troisième avec les fruits qu'on a laissés là-bas. Wouah, the fuck is that shit, bro. Je pense, les amis, que cet épisode va durer un peu. Très clairement, on va partir sur un bon petit épisode de malade. Hop là. Oh. Ça va. En vrai, ils ont fait des dédicaces à plein de niveaux là. Par exemple, tu vois, ça c'était dans les niveaux de Bowser. Donc, dans le premier niveau de Bowser de N64. Par contre, c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Ah, par contre. Ah, c'est pas contre toi, c'est pas contre moi, c'est pas contre Yoshi, mais salut! Hop. On va utiliser la technique de la casquette. Et normalement, là, il y a une étoile. Ok, donc j'ai très clairement loupé un truc avec Yoshi. J'ai très clairement... Ok. Alors, par contre, il y a... Ok, donc tu peux te colmater, très bien. Par contre, ça dure une plombe. Très clairement, qu'on se le dise.
Ok, parfait. Donc, voilà. Au moins, on a réussi à régler notre problème de montée. Parfait. Bon, bah, comme quoi, ça servait de faire ça. Hop. Ah, mais en fait, Yoshi est surcheaté du coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon. Je suis désolé, monsieur. Hop. Tac. Et on récupère en même temps. Hop. Wouhou! Mon dieu, c'est du saut de Muren. Ok, parfait. Oh, attendez, là-bas, il y a un truc. Ouais, là-bas, il y a très clairement quelque chose. Oh, le truc caché, enfoui dans la mer de nuages. Oh, génialissime. Beaucoup trop bien. Beaucoup trop stylé. Ah ouais, ouais. Eh, grande plateforme, quand même. Hein. Mais quel... Oh, je suis stupide. Comme PTB, stupide. C'est pas possible. Comment j'ai pu faire ça? J'imagine que tous les fruits sont venus. Non, pas tous les fruits sont venus. Parfait. Du coup, là, il nous reste les deux derniers fruits à choper là-bas. On aura fini ce petit niveau et on aura appris à escalader avec Yoshi. Au coup. Et hop là. Ça c'est parfait. Hop. Hop. Vas-y la Muraine, fais ton truc, tranquille. Hop là. C'est pas grave si on prend des dégâts, de toute manière. Vous savez. En vrai le jeu n'est pas si compliqué que ça, donc du coup ça ira. Et hop là, parfait. Nickel Chrome. Une petite étoile supplémentaire comme à notre habitude. Et Bafra de fruits dans les nuages. Parfait. Attends, c'est sans qu'on en gagne des lunes, hein, les amis, franchement. Là. Non, ça me fait vraiment bizarre qu'on puisse acheter plus d'une dizaine de lunes. Disons ça comme ça, quand même. J'ai carrément tué Yoshi, mais j'avoue, je suis un connard, voilà. Salut, c'est moi. Non, mais que quand même, il est... Comment ça s'appelle? Qu'on puisse acheter autant de... Attends, je suis en train de bugger mon talon. Autant d'étoiles, merci, autant de lunes à la boutique quand même, parce qu'on en a acheté plus de 10. Oh, dragon! Allez, venez, on se fait un petit dragon pour la forme. Allez, du coup, les Bowser et les Broodles. Bowser et Broodles, c'est sûr qu'on les fait pas. Coup. Alors. Hop, après, on ira chercher le dernier mouton, on ira chercher les derniers fruits, les amis, on va se laisser sous forme de Yoshi, ça va être sympa. Alors, bonjour, toi. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Toujours aussi. Ce dragon est toujours aussi bon, on va pas se cacher. Wow. Salut. Ah ouais, joue au... Alors par contre, ah d'accord, c'est glacé. On part sur de la glace, très clairement. Ok, très bien. Ça va le faire. Aïe. Qui fait mal? Qui fait mal, le sagouin? Hop. Hop. Et hop là, une fois. Ça a marché bien. Heureusement que ça a marché, mon petit pote. Par contre, j'ai perdu un truc de vie. Ça, c'est pas... Ça m'arrange pas du tout parce que... Ouais, super. Hop, on l'a gagné. Parfait. Voilà, c'est bon. On le finit facile. Hop là. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Cette phase est assez simple. Et là, maintenant, ça va faire mal. Ok, donc. Même... Ah, ok. Ok, ok. Même un saut normal, ça fait pas l'affaire. Mon pauvre petit pote, on t'a dérangé, hein. Franchement, c'est bête, hein. La prochaine fois, tu prendras de l'arnica et tu te mettras un truc sur cette boss, là. Parce que j'essaie de te faire rentrer depuis tout à l'heure, mais ça ne fonctionne pas. Bon. Alors. Vas-y, une troisième fois. Ah oui, je sais, mon humour est très douteux. Comment je... Ah, putain, j'allais dire comment je brain tes trucs, mais non. Ok, ah putain, il y a un cœur là-bas. C'est pas grave, pas besoin de cœur. Besoin de cœur? Oui! Oui! Non! Besoin de cœur. Hop! Au moins, si j'arrive à en enlever quelques-uns. C'est déjà ça. Ah non! Non, j'ai perdu. Ah putain, j'ai perdu le cœur que j'avais durement gagné. Attendez. Super. Ok, donc là on fait gaffe. Putain, j'ai dit qu'on faisait gaffe! Sa mère! Ouh, c'est chaud là. Ouh, ça devient très chaud. Avant, on va arrêter de me faire des pièges comme ça. Non! J'ai voulu me presser. Et il faut pas faire ça. Du coup, je vous reprends au même stade. Ça me fait toujours aussi rire comme on est expulsé du tableau.
Ok les amis, donc je suis rendu au même stade, c'est-à-dire à la troisième phase, et cette fois-ci j'ai 3 cœurs, enfin 3 de vie, bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas on est sur la dernière des phases. Putain, c'est horrible, les toupies bébés là c'est insupportable. Franchement, les toupies bébés. Eh, si les toupies bébés. Hop, 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 hop. Super. Ok, on se débrouille. On se débrouille bien, ok. On m'appelle dans le milieu le Default Quitter. Je sais pas pourquoi, mais hop, hey, casse-toi et c'est fini. Bon, c'était tout simple, hein. C'était vraiment qu'une formalité de faire ce dernier truc. Donc bon. Et là, tu prends cher. Et là, t'as mal. Et là, tu souffres. Et là, tu nous donnes une multi lune aussi. Et ça, ça fait plaisir. Enfin, je m'excuse hein, de la durée de l'épisode, les amis, mais c'est juste pour vraiment finir ce qui est lune évidente avant de retourner dans les autres mondes. Donc bon. C'est comme ça, on finit tranquillement le château de Peach en vidéo, et après, on fera toutes les autres lunes en live, les amis, et un nouveau Let's Play donc apparaîtra dès demain, à l'heure où je vous parle. Du coup, ça va être cool, ça va être génial, j'espère qu'il vous plaira. On part sur un Let's Play un peu plus mature, une histoire d'un peu homme électrique et tout. Si t'as deviné Let's Play, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bon, mais j'espère en tout cas que ça va vous plaire, car c'est l'un des jeux qui a pas bercé mon enfance, hein, mais le premier jeu que je voulais vraiment lorsque j'étais gosse, donc... Alors, écoutez, on va ramener le dernier moutmout, donc j'y pense. Et après, on va chercher les derniers fruits. Donc, ils sont tous là, les derniers fruits, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, allez, avance. Avance, Pedro. Pedro le mouton. Ok, et. Tadam ! Parfait. Une petite lune supplémentaire. Faites voir un berger au château de Peach. Putain, on a 80 lunes sur nous, les amis. C'est ouf. Et sur l'Odyssée, on a, il me semblait, 325, un truc dans le genre. Je crois qu'on avait 325 lunes. Donc bon. Et... Hop là. Tac. On lui donne ça. Et on remonte. Par contre... génial. Franchement, c'est ce pays, je pense, c'est l'un de mes préférés. Très clairement. En même temps, ça ne peut que l'être l'un de mes pays préférés quand on fait des références aussi belles. Que ce soit aussi belle que ça, pardon. Un jeu qui très clairement a su marquer ben, les vrais débuts de la 3D. Hein, parce que je vous rappelle que les débuts de la 3D avec certains jeux, c'était dégueulasse. Vraiment. Déjà, on avait du motion design parfois, donc bon, c'est pas fou. Alors. Ok, donc là, on a un truc. Alors, comment tu veux que je monte, sinon? Tu t'es pas posé la question une fois dans ta vie? C'est... Non, non. Ah non, mais le champ pipi! J'ai eu les deux? Mais non, j'en ai eu qu'un seul. Ouais, j'en ai eu qu'un seul, c'est bien ce que je pensais. Attendez. Ouais, attendez. On va réussir, on va réussir. Ok, super. Hop, on l'a eu. Je levais la tête en même temps en mode « Allez, s'il te plaît, attrape-le !» Et hop. Non, alors, s'il m'en manque un fruit, on va le chercher, mais ça serait très ballot quand même. Ouais, je pense qu'il m'en manque un. Et voilà, bouh. J'aime pas les champignons. Mais je suis con, quoi. Tu peux faire ça aussi, tout simplement. Putain, il m'en manque deux, quoi. Il manque les jumeaux. Ah oui, ils sont là-bas, les jumeaux. C'est bon, on sait où sont les champignons. Parfait. Ça, c'est ce que je voulais. Alors... Mais... Yes! Wouh! Magique, 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 magique. Parfait! Yoshi à l'estomac plein. Waouh! Mais putain, mon petit pote. Avec tout ce que t'as bouffé, tu m'étonnes que t'aies l'estomac plein. Mais bon. Ah, ça fait plaisir. Juste, dernier petit truc, après j'arrête de vous embêter. Premier jouet craché. Y'a pas un truc? Non, tu peux rien faire. Ok, très bien. Donc là, c'était pour voir. Hop. Parce que parfois, quand tu zoomes sur les trucs, il y a... Oh, le soleil. Le jour. Parfois, quand tu zoomes sur les trucs, j'ai vu dans certaines vidéos que tu pouvais obtenir des étoiles et tout, tout. Enfin, des lunes, bizarrement. Mais bon, on dirait pas, là. Donc bon. Tant pis.
Mais en tout cas les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser pendant très longtemps sur les vidéos de Mario jusqu'à la fin des lives de collection de lune, jusqu'au 100%. Mais en tout cas j'espère les amis que ce petit let's play, cette petite vidéo aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un lourd pouce bleu qui fait plaisir, à partager la vidéo. Et puis les amis, on se dit à la prochaine dans une prochaine aventure, dans un prochain épisode, dans un prochain let's play. Bref, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde, c'était Italo. Bye bye.